Un setup vraiment inédit. Si vous voyez l'arrangement que j'ai dû faire sur mon bureau, c'est pas possible. Attendez. Je sais pas si j'ai réussi à faire ce que j'avais en tête, mais si j'ai réussi, vous avez compris. On est là aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment j'organise mes lectures sur Notion. Pour ceux qui connaissent pas cette super application, ça se voit, vous traînez pas assez sur le YouTube productivity, self-développement et tout. Mais en gros, c'est une application de base. Ils disent que genre c'est pour prendre des notes, mais vraiment tu peux faire tout et n'importe quoi sur cette application. Et aujourd'hui, donc là, on est sur mon accueil, comme vous pouvez le voir. Un petit chat, une petite citation de Murakami qui me rappelle tous les jours que je n'ai pas besoin d'être parfaite et excellente aux choses que je fais du premier coup. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est cette petite catégorie. On va faire trois choses ensemble. Première chose, je vais vous montrer à quoi ressemble la page actuellement. Ensuite, je vais faire quelques petits arrangements parce que je vais pas vous mentir, moi niveau esthétique sur Notion, c'est pas ça, je vais vraiment straight to the point et il n'y a pas trop de... Genre vous voyez les gens sur YouTube quand ils montrent leur page Notion et tout, il y a plein de trucs super beaux et tout. Je vais pas faire la meuf en mode je m'en fiche et tout, j'aimerais bien honnêtement que ce soit aussi beau, mais j'ai pas la patience, j'ai pas la foi d'aller chercher comment on fait toutes ces choses là, mais il y a quand même quelques petits trucs que j'aimerais bien changer et ensuite on fera j'imagine le reveal final, même si je crois pas qu'il y a grand chose qui va changer. Mais bref, du coup, quand on arrive sur la page, déjà, on a une petite couverture avec des livres parce que forcément c'est le thème, un petit emoji avec un livre. Ensuite, j'ai mis un bouton qui m'envoie sur mon Goodreads directement, mais on s'en fiche. Mais vous voyez, enfin vraiment, il y a zéro, zéro décoration quoi. Et ensuite, direct, on va dire le tableau principal, c'est le tableau principal, il n'a pas de nom. J'étais là en train de lui chercher un nom. En gros, je mets mes lectures actuelles plus les livres que j'ai envie de lire dans l'immédiat, aka les livres que j'ai déjà en physique avec moi dans ma pile à lire. Et donc, let's break down ce petit tableau. Première chose, on a forcément le titre, ensuite l'auteur, ensuite je mets son statut, c'est-à-dire est-ce que je suis en train de le lire, est-ce que c'est à lire, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi. Oui, après, want to read, c'est quand je mettais... Mais attends, c'est la même chose, want to read et to read. N'importe quoi moi, celui-là j'enlève. Attends, ah oui non ça y est, je viens de me souvenir. Want to read c'est quand c'est sur ma wishlist et to read c'est quand je l'ai déjà physiquement dans ma pile à lire. Ok, je vais le laisser. Ensuite fini. Et à relire aussi j'ai un... Parce que ça m'arrive des fois même si on va pas se mentir, là voilà quoi. Là je l'ai minimalisé à seulement les livres que j'avais sur ma pile à lire. Vous êtes actuellement sur ma pile à lire, je tiens à vous le dire. Donc vous êtes actuellement sur toute cette pile de livres, sachez-le. Donc ensuite je mets la page à laquelle j'en suis et le total de pages qu'il y a dans le livre. Et ensuite c'est là qu'intervient un petit peu de big brain energy, si vous voyez ce que je veux dire, avec un petit peu de codage où, bon, on va pas se mentir, j'ai juste fait un produit en croix pour que en gros ça me dise à quel pourcentage du livre j'en suis, mais je me sentais quand même super intelligente quand je l'ai fait et personne ne me dira le contraire. Ensuite j'ai mis le format auquel je lis ce livre parce que voilà, j'aime bien avoir un peu des stats à la fin, donc j'ai mis si je l'ai en physique, si je le lis en digital, c'est-à-dire sur ma liseuse. Je mets aussi quand je l'ai emprunté, genre à la médiathèque ou à quelqu'un d'autre, ou alors si je l'écoute en livre audio. Et du coup la colonne d'après c'est justement d'où est-ce qu'il vient ce livre. Donc en fait ça veut dire que je mets si je l'ai acheté, si on me l'a offert, si je l'ai emprunté, si je l'ai téléchargé, sous-entendu que je l'ai pas payé, genre je l'ai trouvé en PDF, un truc comme ça, ou alors si je l'ai trouvé, ça c'est pour tous les livres que j'ai trouvé dans les boîtes à livres. J'aime bien parce que ça me permet de voir un peu genre mes habitudes de consommation, et en fait clairement on va pas se mentir, mon but c'est d'avoir le moins possible de catégories achetées et de trouver des alternatives un maximum. Et puis après on a la date à laquelle j'ai commencé, la date à laquelle j'ai fini et le rating, la note que je mets à ce livre, mais tout est vide ici parce que forcément c'est ce que je suis en train de lire ou que j'ai pas encore lu. Et quand j'ai fini, où est-ce qu'ils font les livres, vous me direz? Et bah ils vont ici. Waouh! Donc là on a tous les livres que j'ai finis
en 2022. Et en fait, c'est tout simplement exactement le même tableau. Je suis pas ici pour vous faire un tutoriel de Notion, hein. Donc si vous voulez savoir comment ça marche et tout, c'est pas ici que vous trouverez. Désolée, moi je vous montre juste le résultat final. Mais en gros, c'est exactement le même tableau, mais là du coup, bah tout est rempli. Et du coup, je préfère le mettre en mode galerie, comme ça, bah ça donne un minimum d'esthétique de voir les couvertures, ça donne un peu de couleur, tout ça, tout ça. Et du coup, dans mon paramétrage, j'ai fait en sorte que sur les petites vignettes, on puisse voir la couverture, la date à laquelle je l'ai terminé et la note que j'ai mis au livre. On peut mettre genre d'autres propriétés qui s'affichent, mais moi je trouve que c'est les informations que j'ai envie d'avoir quand je regarde ma galerie. Comme ça, genre si je suis là, je viens là et je suis là en mode « Ah, j'ai lu combien de livres en mai ?» Et ben je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai lu 11 livres en mai, putain. Bref, voilà. C'est à ça que ça sert. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a quand on descend? Alors, ouh, il y a beaucoup de choses. Première chose, c'est j'ai la liste des mangas que j'ai en cours, mais pas forcément en moi. En fait, c'est juste pour avoir, quand je suis à l'extérieur, savoir à quel tome j'en suis de toutes les séries. Comme ça, s'il m'en vient l'envie d'en acheter un, j'en achète pas en doublon parce que je pensais qu'on en était au tome 10 et en fait on en était au tome 11 ou le contraire, bref vous avez compris. Donc honnêtement ça me sert juste à ça. Il y a aussi, en fait il y a tous ceux qui sont dans ma bibliothèque, même ceux que je lis pas moi, mais voilà, comme ça c'est pratique. Et on va pas se mentir, c'est pas update très souvent parce que les mangas c'est pas le truc que je lis le plus, mais au moins c'est là, c'est plus pratique qu'autre chose. Ensuite, ça c'est un tableau que j'ai rajouté il y a pas longtemps parce que j'avoue j'ai vu quelqu'un qui avait un tableau similaire sur son Notion, du coup je me suis dit je vais faire pareil. Et c'est en gros les séries que j'ai en cours. C'est très simple, encore une fois on va retrouver première colonne le titre, deuxième colonne l'auteur et ensuite j'ai mis l'avancement, c'est-à-dire là par exemple pour la trilogie de la Faucheuse j'ai lu les deux premiers tomes, du coup j'ai mis que j'en suis au tome 2 sur 3. Et après je mets le statut, par exemple là j'ai mis que j'attends parce que j'attends littéralement que la médiathèque ait disponible le troisième tome. Je sais qu'il est disponible déjà à acheter mais vu que j'ai pas envie de l'acheter bah c'est pour ça que j'attends. Ensuite, par exemple, j'ai aussi la trilogie des micro-humains de Bernard Weber, où là j'attends rien du tout, clairement c'est moi qui procrastine depuis des mois et des mois, il faut juste que je l'achète sur ma liseuse, c'est pour ça que j'ai mis tout bail. Et puis après, la traversée des temps, j'ai lu le premier et j'ai le deuxième qui est littéralement en dessous de vous là, donc c'est pour ça que j'ai mis tout read parce que je l'ai déjà. Autre monde, pareil, je vais littéralement les prendre à David, donc... il n'y a rien qui attend, c'est juste moi qui dois me décider, donc pareil, tout read. Et wow, ma voix là. Anne de Green Gables, pareil, j'ai lu le premier et le deuxième est également sur ma pile à lire, donc tout read. Et enfin, ça aussi j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, depuis que je me suis mis à la poésie. Vu que la plupart des poésies, en fait tous les recueils de poésie que vous voyez ici, c'est des recueils que j'ai pas eu en physique, soit parce que j'ai emprunté, soit parce que je les ai lus en digital. Du coup, je peux pas genre annoter, garder une trace de ceux que j'ai bien aimés. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une page pour chacun de ces recueils. Donc par exemple, si on va sur Celle qui mangeait le riz froid de Moon Sang-yi, on a genre tous les poèmes que j'ai bien aimés, que j'ai reportés. Mais par exemple, lequel je vais vous montrer. Celui-là, j'ai trouvé super cool. Voilà, comme ça il est petit, lisez-le, appréciez, c'est le moment poétique de cette vidéo. Voilà, le but c'est genre de garder une trace et des fois j'y retourne, pas souvent, on va pas se mentir, je vais pas vous faire croire que je suis quelqu'un que je suis pas. Et ça c'est le dernier tableau qui est tout à la fin et c'est tout simplement pour mon challenge Around the World où j'aimerais lire un livre de chaque pays. Et du coup bah tout simplement je me suis fait un tableau avec tous les pays. Donc encore une fois, j'ai trié pour que ceux que j'ai lus arrivent tout en haut. Donc le premier c'est le plus récent. Première colonne j'ai mis le pays of course. Deuxième colonne j'ai mis la capitale. Ça ne sert absolument à rien mais c'est juste pour moi parce que j'aime bien me rafraîchir la mémoire de temps en temps. Ensuite je mets bah je coche si j'ai lu ou pas lu. Ensuite je dis quel était le livre et l'auteur de ce pays spécifique, quand est-ce que j'ai lu, et après bah pareil, quelle note je lui ai mis. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais pour mon challenge, la seule exigence que j'ai, c'est que, par exemple, vous voyez, voilà, pour Japon, forcément, c'est un livre de Haruki Murakami, et en fait, ma seule exigence, c'est que le livre du pays doit avoir été écrit dans la langue du pays.
Je m'explique. Par exemple, vous voyez, j'ai lu un Ocean Vuong. Ocean Vuong qui est vietnamien. Mais vu que le livre a été écrit de base en anglais, et ben je le considère pas comme, genre je l'ai pas coché pour le Vietnam. Pareil pour Elif Shafak. Je vous en parlerai, je pense, dans ma prochaine vidéo, mais ce livre... Je suis frustrée dans mon vlog de ne pas l'avoir terminé pour vous en parler directement, mais incroyable. Un de mes all-time favorites, genre incroyable. Mais bref, l'autrice, elle est, si je dis pas de bêtises, turque. Mais pareil, elle écrit en anglais, donc j'ai pas coché Turquie pour ce livre. Et c'est pour ça que j'avance pas très vite, on va pas se mentir. Donc là, à l'heure actuelle, bon, sans grande surprise, on a États-Unis, France... Espagne, Royaume-Uni, après j'ai Colombie avec 100 ans de solitude, Portugal avec le Fernando Pessoa, donc comme je disais, Japon avec Murakami, Anne de Green Gables, ça m'a fait cocher Canada, et puis après Grèce et Corée du Sud, mais clairement on est loin du compte. Ça va prendre un bout de temps, mais au moins c'est là, je garde une trace et je peux voir mon avancement. Mais du coup voilà, c'est tout, et maintenant la première chose que j'aimerais faire, c'est mettre un bouton ici à côté de celui-ci pour pouvoir avoir un décompte des livres que j'ai lus dans l'année en cours, parce qu'au final il n'y a rien qui me le dit là, enfin je vais pas m'amuser à compter tous les trucs à chaque fois. Du coup j'aimerais bien avoir un truc qui me le dit, genre première chose dès que je rentre, un peu comme quand on va sur Goodreads quoi. Et après pour le côté esthétique, en vrai, je vous avoue, je sais pas si j'ai envie de changer tant de choses que ça. Voilà. Du coup, c'est tout. En vrai, je sais pas si... Est-ce que vraiment, finalement, j'ai envie de faire quelque chose d'esthétique? C'est bien comme ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter une citation en plus. Pour ceci, il me faut mon livre de citation. Quelle citation je vais rajouter? On va mettre une autre citation de Murakami. Voilà, j'ai mis une citation de Murakami encore parce que j'ai pas à me justifier, voilà. Et je crois que ce sera tout. J'ai vraiment... En fait, je voulais trop faire comme les vidéos que je regarde où ils sont en mode « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça. » Après, ils font des timelapse, ils changent plein de choses et tout. Mais j'ai vraiment pas ni l'inspiration, ni la déter, ni même le temps. Là, je suis là. Je chill avec vous alors qu'il faut que je sois en train de travailler à l'heure actuelle. Donc voilà, ce sont littéralement les deux seules choses que j'aurais changées sur ma page. Mais ça me va très bien. Ce qui compte, c'est que ce soit fonctionnel. Je parle un petit peu pour rien. Mais tout ça pour dire que Notion, en tout cas c'est d'art, vous voyez, on peut faire plein de choses avec. C'est cool. Donc si vous avez kiffé, je suis contente. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec, avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous êtes content d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous êtes encore là, c'est que j'ose espérer que oui. Sinon, vous faites pas du mal pour rien. Vous pouvez y aller. Hein. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.